Bienvenue dans cette première séance d'harmonisation de votre être. Installez-vous confortablement, sur une chaise ou par terre, assis en tailleur, le dos bien droit. Fermez les yeux juste un instant pour vous concentrer sur votre respiration. Nous avons tous une respiration différente. Sentez la cadence de votre propre respiration. Sentez l'air rentrer dans vos narines. Cet air également rentrer dans votre gorge. Concentrez-vous à présent sur l'air qui rentre dans vos poumons. Et sentez le va-et-vient de votre ventre au mouvement des inspirations et au mouvement de l'expiration. Le ventre est un grand centre d'énergie. Quand on apporte la conscience de la respiration dans le ventre, automatiquement on crée un recentrage de son propre être. Ouvrez à présent les yeux. Je vais vous inviter à un voyage visuel, auditif. Regardez le point blanc. Fixez-le et tournez vos yeux en l'accompagnant. Nos pensées sont très nombreuses. Chaque jour, des millions de pensées sillonnent notre esprit. Parfois elles s'accrochent, parfois elles ne font que passer. Elles sont des milliers de feuilles sur un arbre. Elles sont profondes comme de l'eau. Imaginez-les s'envoler, l'une après l'autre. Tout ce à quoi vous pensiez avant même de commencer cette harmonisation. Libérez complètement votre esprit. Afin de ne laisser plus que quelques pensées flotter dans l'air comme le blé au soleil. Imprégnez-vous de ces images. De l'eau, du feu qui s'entremêlent, qui s'accompagnent pour ne faire qu'un. Imprégnez-vous de la lumière, quelle qu'elle soit, où que vous soyez, pour y faire grandir l'amour. Concentrez-vous sur la lumière afin de libérer complètement votre esprit de toutes ces pensées et de ne faire plus qu'un avec votre propre être, avec votre propre respiration. Sentez au moment où vous voyez ces images la respiration de votre corps, la profondeur et l'intérieur de votre être. La profondeur de qui vous êtes. Dans cet infini. Nagez dans l'océan de votre esprit. Soyez-en le maître. Dirigez vos propres pensées vers ce que vous vous souhaitez.
penser est un des pouvoirs les plus importants que vous avez. Elles sont nombreuses, mais vous avez la force et le pouvoir de les diriger. D'y mettre du positif. De changer la façon dont vous allez interférer dans vos pensées. Dans toutes ces infinies pensées. Afin de vous concentrer sur ce qui est bon pour vous. Pour les autres. Et être parfaitement dans votre propre harmonie. Je vous invite à être observateur de vos pensées, à être dans la conscience de celles-ci. À les regarder passer. Ou à les contrecarrer quand c'est un brouhaha négatif, afin de ramener votre esprit, votre corps et votre être à des pensées positives. Rendez-vous à la prochaine harmonisation.